Bonjour à tous. Les places européennes cherchent une direction ce lundi. À la mi-séance, elles étaient majoritairement dans le vert, tandis que les bourses asiatiques, elles, ont clôturé ce matin dans le rouge, et ce bien toujours suite aux faibles chiffres macroéconomiques américains de vendredi. Et puis chez nous, le Belvin gagne 0,5%, l'indice belge est tiré à la hausse par Belgacom et le titre gagne 3%. L'avance prise par Belgacom TV commence à se faire sentir sur ses concurrents selon les chiffres de Cable Belgium. Et puis en parallèle, le fonds américain Capital Income Builder devient le deuxième actionnaire de Belgacom, juste derrière l'État belge. Et puis, à l'inverse, le titre du CB perd 2,2% après une chute de 5%. Le médicament contre la toux du CB Tussionex pourrait avoir été la cause de la mort de 5 jeunes enfants sur 20 ans. La FDA envisage d'émettre un avertissement sur le médicament. On attend plus d'informations en cours de journée. Toujours que le titre du CB a perdu plus de 13% sur l'ensemble de la semaine. Merci de votre écoute.